l'argent est créé par ce que tu veux nous montrer particulièrement dans l'instant que ce matin. Amen. Nous voyons que Dieu puisse nous enseigner, nous parler d'une manière autre, mais que nous sommes encore un peu plus bien à écouter ce que Dieu a pour nous. N'écoutez pas un homme, mais écoutez particulièrement ce que Dieu a pour nous. Amen. Je pense qu'il a de grandes choses pour nous. Nous allons prendre deux textes. Nous allons prendre Proverbe 19, verset 21, et puis Romains 8, verset 28. Un texte que nous connaissons. Mais parce que je voudrais vraiment nous sensibiliser au travers de ce texte. Au travers de ce texte. Par les de Dieu. Amen. Proverbe 19, verset 21, nous dit 19, verset 21. Est-ce qu'on a envie? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. N'est-ce pas? La parole, c'est la vérité. On ne peut pas dire non. Mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. On dit ça ensemble. Amen. On est d'accord? 3, 4. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Romains 8, verset 28, on le connaît parfaitement. Vous pouvez le citer même. Amen. Romains 8, verset 28. Or, nous savons aussi. Allez, vous l'écrivez. Mais vous bien dire, c'est ça. Hein? Or, nous savons aussi. Il y a d'autres choses qui sont comptées, mais celui-là. On sait aussi que tout homme concourt de ceux qui sont appelés selon son destin. Bénis soit l'Éternel. Seigneur, merci pour ta parole qui a pu nous donner vie en ce matin. Parce qu'elle est spirituelle. Te bénissons pour ce texte que tu puisses nous éclairer. Dispose nos cœurs particulièrement à écouter ta parole ce matin. Ta voix qui est vie. Pour que nous puissions faire un marché bien pour toi. Sois béni, Seigneur, merci. Amen. Le thème de ce matin sera comment maîtriser nos frustrations. On va parler un petit peu de frustrations. Particulièrement, l'ennemi dit nous, le peuple de Dieu, nous avons une description qui appartient à lui. Non, vous avez particulièrement visité nous, le peuple de Dieu. Mais nous voulons croire que c'est une arme subtile qu'il utilise dans ces derniers temps, la frustration. Nous voulons croire que dans le proverbe, Salomon nous dit bien que nous avons plein de projets. Nous avons des objectifs. Nous avons des buts à atteindre. C'est dans le cœur de l'homme. Qui sont légitimes, qui sont bonnes. C'est bien d'avoir des visions. C'est bien d'avoir un but, un objectif. C'est bien d'avoir des projets à long ou à court terme. C'est important pour qu'on puisse vraiment se positionner, non seulement en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que citoyen. Mais aussi, le maire qui différencie notre nature humaine, c'est ce que Dieu veut, mais c'est le destin de l'Éternel qui, quoi, s'accomplit. La frustration. Je parle de cette arme subtile que l'ennemi utilise pour quoi? Pour nous détourner de ce que Dieu a pour nous. C'est un état qui est, c'est un mal-être qui nous place dans la toute d'une réalisation de quelque chose qui ne se fera pas du tout. Et résultat, on est frustré. C'est un état aussi qui nous empêche d'atteindre le but et de réaliser un vif désir que nous avons. Et tout ça,
on est touché. Et c'est toujours attendu par une situation qui est imprévisible. C'est une situation qu'on ne s'attend pas du tout. Soit par quelque chose, mais par quelques circonstances. Surtout aussi que nous multiplions nos prières. Par exemple, nous attendons exactement une bénédiction. Nous attendons quelque chose de Dieu. Nous récompense. Là, nous sommes frustrés parce que nous ne voyons rien de tout. Ça peut aussi donner une satisfaction quelconque pour la santé de quelqu'un qui ne répond pas bien sûr à nos besoins, qui ne répond pas à nos attentes, qui ne répond pas à nos désirs, à nos souhaits, à nos demandes. Et particulièrement, nous voulons croire que ça nous touche. Ça touche tout le monde, la situation. On peut être touché par n'importe quoi, en n'importe qui, en n'importe quelle situation. Mais nous voyons bien en cela que Dieu veut nous interpeller à comprendre que c'est l'une des armes que l'ennemi utilise pour nous sceller, pour nous déstabiliser. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Quelle que soit la position que nous sommes, la situation touche tout le monde. On peut être chef d'État, on peut être riche, on peut être pauvre, on peut être blanc, noir, n'importe. Quelle que soit la position, la situation touche. Sommes-nous souvent frustrés? C'est ça la question. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question, à savoir si nous sommes souvent frustrés, mais comment on peut vraiment maîtriser, comment on peut gérer cette frustration en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. La fruit, les fruits même, peuvent se représenter par quoi? L'anxiété, le stress. Dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde moderne que nous vivons, dans le monde où la technologie s'avance, où nous voyons vraiment la modernité s'avance, tout le monde court. On a pas de temps. Nous voyons l'esprit de la frustration. L'anxiété, le stress, à tout le monde, même l'insomnie, l'incompréhension, l'agitation. Tout ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on pense à pas mal de choses, on ne dort pas. On est empêché, on est contrarié. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il n'y a aucune contrariété? Tout va bien. Ça dégage, ça réveille aussi des émotions comme l'impatience, la tristesse et la colère, la dépression. C'est plus mauvais encore. Nous, comme j'ai dit, nous éprouvons tous de la frustration de différentes manières. Ma frustration, ce n'est pas ta frustration. Ta frustration, ce n'est pas l'autre. À notre frustration, ce n'est peut-être pas pareil. Chacun de nous éprouvons la frustration de différentes manières. Par exemple, nous sommes dans le Nord-Péage. Nous avons rendez-vous à 8h et c'est un grand fait que nous sommes dans le Nord-Péage. On n'attendait pas. On est frustré parce que c'est ce qui va compter. Nous sommes accablés par de longues heures de travail le plus souvent. Quand je dis ça, je dis, mais ah, il va être bien. Et vous bégayez vos affaires. Nous sommes des fois aussi accusés, déçus, frustrés par rapport à une telle ou autre personne qui ne nous dit pas bonjour. On a dit bonjour. Bonjour. Nous sommes rejetés, on se sent à l'écart,
de se sentir dans l'insécurité. Mal aimé, particulièrement dans le corps familial. On aime cela plus que l'autre. Ça peut aussi, par exemple, avoir aussi des problèmes de santé. Ils sont sur un tas, ça n'en est pas du tout. Ça en fait tout ça. La frustration. Mais ce qui est important pour nous gagner, parce que ce sont des choses qui nous voyons peut-être d'un côté vraiment négatif, mais qui peuvent aussi nous permettre de tirer des leçons positives. Parce que Dieu veut nous interpeller pour comprendre comment nous pouvons réagir face à aux frustrations que nous avons chaque jour, quotidiennement. Je voudrais parler là, particulièrement, je voudrais revenir sur un esprit de la vie. C'est un esprit qui se répète souvent. Et le plus souvent, c'est un signe où vraiment on croit qu'on est frustré. C'est la colère. Amen. La colère. Mais c'est pas juste cette colère. Parce que c'est vrai que la Bible nous dit, ne pas nous mettre en colère, mais il y a aussi des versets qui disent, on peut se mettre. Mais je veux simplement insister sur la colère, mais de manière répétée. On s'emporte de manière répétée. On est énervé. On va venir au premier texte qui, Jacques nous parle de la colère, qui est importante. Jacques, premier verset 19 à 20, qui nous dit. C'est le défi qui nous permet de voir réellement que la situation est là. Regardez, c'est une personne qui nous dit ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère. Les deux noms-là, j'ai vraiment beaucoup médité dessus. Pourquoi il dit lent à parler, lent à se mettre en colère. Même nous dit que tout le monde soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est la meilleure raison pour éviter la colère qui vient, qu'on ressent déjà, qui est déjà là. Pourquoi? Parce que les moindres choses, les moindres situations sont faites aussi pour nous, pour provoquer, surtout si on parle beaucoup, pour provoquer le caractère, notre personnalité, nous-mêmes, notre nature humaine, et pour faire ressortir ce qu'on va dire. Mais des fois, on ne prend pas conscience de ça. Et ça se répète. Ça se répète plus souvent que d'habitude. Dans cette position, des fois, nous sommes prompts à parler, prompts à se mettre en colère. Et qu'est-ce qui nous arrive juste? C'est que nous prenons des décisions. Actif. Des fois, nous prenons des décisions. Ah, les points de vue. Ah, continuons. Par exemple, quelle que soit la décision que nous prenons, mais plus souvent, nous les prenons avec de lourdes conséquences derrière. Après, pour que je retienne ce que j'ai à dire. Je reviens tout de ma parole parce que lorsque ma colère est passée, il y a plus de confiance. Est-ce qu'on a dit promptement? On va
enfant est trop petit, je vais le on a. C'est juste un esprit que je veux inviter pour que nous puissions comprendre le signe et quelques signes de situation. Proverbe 19, verset 11. Salomon dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et regardez bien le verset qui est extraordinaire. Il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à décompter. D'ailleurs, on avait parlé de substance injustifiée et substance justifiée. C'est une substance injustifiée ou substance justifiée? Injustifiée. Il met sa gloire à oublier les c'est quand on retient ce que quelqu'un a fait. On va dire, mais oubliez-vous, mais. Oubliez-vous. Il faut seulement la sagesse d'en haut, seulement. Et Dieu nous donne cette sagesse, si on lui fait, on lui demande. Jacques nous le dit. Celui qui manque de sagesse, seulement de la sagesse. Ce n'est pas compliqué de lui évangéliser. Nous avons de la sagesse à supporter les insultes, de beauté à fait, etc. Tout ce qui peut nous offenser, tout ce qui peut nous décevoir, Dieu nous dit, il met sa gloire à oublier les offenses. Pas nous trop. Par contre, le dernier verset qui nous dit, dans Proverbe 15, verset 1er, Proverbe 15, verset 1er, il est important de dire. Qui nous dit, une réponse douce calme la sueur, mais une parole dure, excite la colère. Ouais, mon pays comprend. Vous savez, le plus souvent, on conclut cette parole-là avec ce que les disciples ont dit à Jésus. Seigneur, que tes paroles sont dures. Mais sinon, il y a un autre piège, pas le même côté. Parce qu'il n'y a pas un disciple qui s'est énervé après. Bien au contraire. Le Seigneur, ta parole est dure. Mais personne ne s'énerve. Personne ne s'énerve. Non. Mais si une parole pure excite la colère, mettons-nous en question. Faisons vraiment attention à ça. Si une réponse douce calme la sueur, mais une parole pure, ce sont des formations. Un caractère qui sera agressif. Chacun son caractère. Mais Dieu nous permet de comprendre ce que nous avons fait, de nous former, de comprendre que nous avons une solution à régler les soucis, les problèmes. Si ça passe pas par là, eh bien, je vais essayer de pouvoir une réponse douce. Et vous regardez, vous remarquez bien que. Il ne parle pas de parole douce. Il dit la parole, une parole douce. Non. On comprend bien les autres. Il dit une réponse. C'est-à-dire qu'après avoir reçu quelque chose, comment on va répondre? Et croyez-moi plutôt, nous pouvons les faire. Nous pouvons pas faire quoi que ce soit. Si nous le faisons de nous-mêmes, ça passe pas. Par contre, allez, demandons à Dieu de nous faire ça. Ce sont des
Seigneur, pourquoi as-tu fait mal à ce peuple?
donc vas-tu envoyer? Puisque depuis que je suis venu vers Pharaon vous parler en son nom, il a marqué ce peuple. Et qu'ils ont fait pour fraterniser Cela va nous permettre de revenir là avant de
scambi a chi ha la nuova sentire. Saranno di loro che saranno di loro. Di loro vogliono comunque che i momenti ci sono e conservano così. Per questo sono la verità di sapere quanto è il sentire. Perché anche lo devo fare la pazienza della tua libertà e il tuo merito. Perché anche lo devo vivere la giustizia che mi fa sempre di più. E anche il posto che sono di chiamare a voi perché abbiamo un fatto di fatto e di sotto qua e la giustizia di pazienza darà. Thank you.